mieux combo, même à plus haut pourcent. Même s'il inflige moins de dégâts, donc pour gratter les pourcents, c'est un peu moins bon. Le neutral air fait un peu moins de dégâts, sa hitbox a été un peu changée. À part ça, pour ainsi dire, un toucher de ce que c'est. Le grab, a un peu moins de frame active. On peut le spot dodge sans se faire choper par derrière. Bon, la Serpette qui commence chaud, hein. Il rigole pas, il a direct tenté le kill avec ce Don B. Sa Serpette, il va directement au bout des choses. Lui, il sait, pour gagner les matchs, il faut tuer et il va essayer de tuer. Et voilà, down tilt, tout neutral air, on place un coup du FR. Dragon qui se jette pas dedans, qui sait que Falco a besoin de trickser un petit peu la main de Samus comme tout à l'heure. Hein. Tu te jettes dedans en dash attack, tu vas te faire punir. Ses approches, c'est beaucoup voilà, derrière l'auto-cancel pour lire un peu les réactions de l'adversaire. Marrant ce side B, c'était marrant, il y avait l'idée je pense. C'est marrant et triste à la fois, le side B n'a pas de hitbox sur la moitié de la fin. Il n'y a vraiment que la moitié du début du hit, du move qui a une hitbox. Donc en soi, il est juste inférieur à celui de Fox. Par contre, si tu le places, les rewards sont encore plus grosses avec un gros backer tipper, des trucs comme ça. Joli ça, ouais, l'air fast fall. Et c'est notre alerte qui couvre bien, couvrait et la plateforme, et si Serpite il avançait, et ce backer il chope ses frames. Tellement puissant quoi, ça l'a tué à 100%, il a pour ainsi dire pas de rage quoi. Joli, le neutral air qui est un des choux qui envoie toujours dans la même direction. Le neutral air va toujours envoyer sur là où regarde Falco. Des opportunités de combo inédites par rapport à d'autres persos où il faut s'adapter par où ça va envoyer. Joli ça par contre, le petit ZR bien en spacing sur l'aérial. Ça a pu enchaîner malheureusement le Don B qui n'est pas passé à un Ragon qui a bien pris ses distances. Et Serpite voilà qui au bout d'un moment va faire 15 000 upers sous la plateforme, il en a marre, il monte et il grave. Ouais, Ragon qui est resté vraiment paralysé cette plateforme en shield. Je pense qu'il voulait placer une sorte du smash à top shield, mais a beaucoup trop attendu, a fini par se faire avoir. Neutral air, joli ça. En upper en plus, hein. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident à catcher ça. Ça space bien au back air, par contre ça se rapproche tout de suite le shield, cette EB au top shield. Oh bien vu, la part de Ragon qui chargeait ce smash, mais Serpite a pu se décaler suffisamment. Il aurait certainement mangé bien cher puisqu'il avait le lag du B-up. C'est enfin interrompre son B-up par un aérial. Joli. Encore ce neutral air, recule bien, Serpite maintenant qui prend le terrain avec ce petit son passant derrière, ça paralyse et malheureusement un peu trop loin pour cette EB. Dragon qui passe vraiment pas loin de placer son backer, encore une fois il le place. Serpite bloqué à l'edge et le backer tipper encore une fois. Les deux joueurs ont perdu leur stock très très tôt, hein. Des gros backers à l'edge, mon gars, faut arrêter de rigoler. Allez les gars, ils ont pas le temps, dommage ça malheureusement le Dust Smash qui ne passe pas tout de suite la punition en backer. Forcément ça va prendre ce stock. Voilà ce neutral air qui envoie devant, hein. Joli ça. UR qui m'a l'air safe and shield quand ouais. Il est bien spacé. En tout cas sur le shield de ZSS. Éventuellement on va voir peut-être des B-up plus tard dans le set. Très joli up tilt. Il n'y a plus de deuxième saut. Le down smash c'était bien pensé mais malheureusement la portée du fer un peu trop grande. Ça touche. Dragon qui reste bien au sol, qui prend bien une bonne dash attack. Un petit upper, il prend ses distances encore, il attend que ça atterrisse. Beaucoup de l'air auto-cancel ou en tout cas sur le shield. Il a vu que Serpite ne les punissait pas. Cette fois c'est lui qui va pas punir une shop. Neutral air. Faire le petit ZR, c'est pas le tipeur du ZR qui a un knockback supérieur. Bien joué Sphère. Il se met bien en dessous, un petit vert qui passe. Serpite qui tente d'agresser juste après. Dragon qui relie encore une fois hein, sur cette plateforme. Effectivement, il y a moyen que ça arnaque. Hein. Pleine tête. Je pense que ça va être un bon shield stab ça par contre. Oh là là, et sa tech, voilà, sa tech. Si tu joues un Spacey, si tu sais pas tech, change de perso. C'est aussi simple que ça. Ta reco est tellement gratuite, t'as besoin de t'avoir tech. C'est limite ton troisième move de recovery. Ah dommage, il a un peu attendu, il savait pas trop quoi faire je pense. Je sais pas s'il savait vraiment où ça allait partir. J'ai l'impression que le Don B a touché un peu particulièrement, ça a un peu perturbé. Le backer, oh la vache, tellement puissant, le petit laser au passage là. Oh, sur cette tentative d'edgeguard, c'est le Don B de ZSS qui va passer, il fait bien le tour et boum il prend cette stock. Oh. Faut faire gaffe à ces pourcents là, ZSS c'est très dangereuse, elle peut pas encore mourir à part d'un F-Smash. Mais elle peut t'arnaquer avec toute la rage qu'elle a, avec un neutral air, tout UR, c'est ce genre de sombre. Oh, joli, magnifique. Le smash qui chope derrière. Magnifique patience de la part de Ragon, qui a bien tendu en shield, il était sur l'edge. Il savait qu'une attaque allait venir, il savait que Serpite sûrement allait tenter la carotte, il était proche de l'edge, c'est peut-être le moment, je sais pas. En tout cas, il est bien resté, bien patiemment, pour placer ce smash de shield très propre. En tout cas, il connaît bien ses hitbox, hein, parce qu'avec Fox, soit ça aurait pas touché, soit ça aurait mis un vieux source spot qui aurait envoyé sur le côté. Là, il a vu avec Falco, il a fait hop, reste là. Prends mon U-Smash buffé là, s'il te plaît, débarrasse-nous de ce stock. Du coup, ouais, nous on est dans un petit box, on voit pas exactement toute la foule, mais j'ai un petit aperçu.
et un joueur vient de venir nous confirmer, il y a la grosse hype, voir un Falco comme ça en train de faire le spectacle, ça attire du monde, en train de regarder le stream qui est retransmis sur un vidéoprojecteur. C'est vrai qu'encore une fois, on est au Mars les gars, on est à Marseille et c'est le plus gros tournoi de France de Smash 4, c'est hype, regardez, on est qu'en poule, et ce match est déjà super chaud. Bon, on reparle à même sur le tir en back, sur Battlefield, est-ce que Serpri t'a capté des trucs à la fin de ce premier match? De UR, joli F-tilt, Ragon qui a toujours été un joueur très précis sur ses options select. C'est pas là qu'il est en défaut à vrai dire. Quand il sait qu'il peut pas avoir une grosse punition, il va prendre son petit F-tilt, sa petite punition bien safe, le petit jab en l'occurrence. Serpride qui remonte safe avec son down B et qui va pouvoir punir ce back air finalement avec un petit lateral shield. Il commence à s'adapter un petit peu aux options de Falco, à voir ce qui marche. Il est un peu plus distant aussi, hein. Tu vois, il se rapproche pas plus. Là, il était plus aux ZR, plus aux projectiles. Grand saut EP, il recule bien après derrière. Tu vois, il tourne autour comme ça. On a Ramon qui a trouvé la petite fois pour mettre un petit back air. Joli EP, le deuxième. Donc il tente de. Qui voulait plutôt. Oh, le feu. Oh là, un autre alert. Oh la jolie DI. Dommage, j'y ai cru. J'ai vraiment cru. Hein. Il a fait une jolie DI horizontale malgré tout, malgré ses deux UR qu'il mettait dans la mouille. Je me suis dit, oh, est-ce qu'il va nous vendre du rêve, nous faire dire, oh, ZSS n'est pas si craqué. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce combo? Notre alert, reverse notre alert, c'est ça, tout standing grave. Incroyable, Zerbu pour le moment qui part vachement bien. Il arrive beaucoup plus à jouer sur. En map, il met beaucoup plus d'impression sur l'adversaire pour le coup. Ah, il se chauffe là. Dash attack qui va se faire punir par un petit jab. La roll, Ragon qui la voit venir, qui était déjà en train de sauter, alors que Serprit était en train de se dire, je vais peut-être faire un down smash au final. Et du coup, il arrive à se débarrasser sur ça, de neutre à l'air. Oh, joli ça, le B-up direct pour sortir d'un combo qui n'était pas totalement imperméable. Joli petit mouvement de Serprit pour revenir au centre. Et encore une fois, ce petit zoning au neutre à l'air, hein, mais Serprit arrive à se glisser au milieu. Le backer pour essayer de se rapprocher. Quoi? Ouais, il essaie de, je pense qu'il a essayé de Tomahawk, et évidemment ça va perdre contre un grab qui a quand même plus de frame actif qu'un grab non taser, même si ça a été nerfé. Joli F-tilt. Oh le lock! Dommage, un petit peu trop lent sur ce desmash, mais clairement il y avait l'idée. Et neutral c'est... B, toi B, il va survivre avec une jolie DI. Je pense pas qu'il remonte, pas trop bas, il était trop bas. Ouais, ce UR était trop gourmand. Ou alors peut-être qu'il s'est dit, je remonte pas dans tous les cas, je vais essayer de le stage pack avec mon UR. En tout cas, donc Ragon qui paye ceci de son stock et d'un gros déficit, 40%, joli neutral air, dash attack, encore. Ça enchaîne bien et clairement ça tire parti du fait que Falco n'est pas un perso très connu. Donc sur ce neutral air, il a pu avoir une dash attack sur une absence de tech. Ça se paye sur backer, ça tente comment Serpri qui revient sur son du stage, c'est que c'est important. Il doit surtout pas perdre sa stock maintenant, c'est tout son avantage. Et pour ce moment là, Ragon lui par contre, il veut le rattraper ce retard, hein. Il le rattrape. Il met la bonne pression et il le rattrape ce retard. One stock match maintenant, Rasgun juste avec un tout petit peu, 5%, ce n'est rien. Combien de fois Serpri s'est pris ce gros backer à l'edge et l'a payé de son stock comme ça? C'est exactement ce dont Ragon a envie parce que son backer est clairement un des backers dans le genre je te zone et c'est safe on block. C'est l'un des plus puissants du jeu. Joli, le UR pass faut le tout faire. Joli ça, le petit down B, le neutre alert à l'atterrissage. Il zone un peu hein, au cas où. Joli shop. Un upper. Il y avait l'idée à retourner au sol mais Ragon s'est pas fait avoir. Il a atterri direct, il a puni instant. Le jab, c'est pas courant de voir un jab, le jab de Falco battre le jab de quelqu'un d'autre puisque lui-même a des soucis dessus. Dommage. Ouais, mal spacé son down B, dommage. Et Ragon qui veut le up smash et il a retenté la même fin du match précédent tout à l'heure en restant sur le shield, en shield à l'edge. C'est pas passé cette fois-ci pour Serprit. Et il veut ce up smash à Serprit qui rattrape maintenant puisque lui est en retard et il le rattrape. On est repassé à 88% des deux côtés, mais la petite pression au jab, au cas où un back air des fois que ça avance du côté du Falco. Le petit EP pelle DI par contre pour sortir le back air juste sur la redescente. Serprit qui va aller chercher ou pas, le side B qui passe bien, le Trump qui ne passera pas mais il le récupère comme avec cette EP, pas le deuxième. Le Ragon qui va juste utiliser ça pour prendre du side control, le back air qui va pas tuer, 130%, Falco qui remonte, joli fer, hein. Il prend direct une option offensive, veut pas se faire avoir par le petit zoning air. Il le chope sur ce down B magnifique. C'était la petite fin, j'étais sur la plateforme, j'étais pas sur la plateforme. Quoi qu'il arrive, short top back air et boum. Ragon 2-0 qui crée son upset finalement. Il était deuxième seed donc c'est un upset modéré mais quand même vraiment bien joué de sa part. Il va emporter ce set 2-0 contre Serprit qui est donc un des top players français dans sa région. C'est clairement l'un des tops. Et du coup Ragon donc qui commence à représenter bon an mal an un perso sous-représenté, sous-estimé tel que Falco.